Veliko Tirnovo, la capitale médiévale de la Bulgarie. Un des lieux sacro-saints du monde et un des témoignages les plus imposants de la puissance et de la gloire ancienne de la nation. Il n'existe pas de touriste qui reste insensible à l'esprit de fierté et de respect qui se dégage de chaque pierre et de chaque brin d'herbe. Les premières traces de vie humaine, découvertes sur la colline de Trapezitsa, remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ, alors que les vestiges de la colline de Tsarevets datent du 13e siècle avant Jésus-Christ. En 1187, les frères Brouillard, Hassen et Pétard se mettent à la tête d'une insurrection de libération nationale et rejettent l'autorité byzantine. Ils proclament Tirnovo capitale de la Bulgarie et la ville devient un important centre politique, économique et culturel de l'Europe. La colline de Tsarevets est classée aujourd'hui réserve architecturale. Y sont conservés et restaurés une grande partie des murs de l'ancienne forteresse, la porte d'entrée, des tours, des bâtiments de la cour royale et du patriarche de l'époque du deuxième royaume de Bulgarie. Tous les immeubles d'habitation qui furent construits autour des 20 églises sont conçus comme les quartiers d'aujourd'hui, avec tout le nécessaire à portée de main. Toute la ville est entourée d'une grande muraille de pierre, longue de près de 2 km, qui la protégeait de partout. Cette forteresse avait une entrée principale, difficile à franchir par tout visiteur indésiré. Aujourd'hui, dans la région de l'ancienne capitale médiévale de la Bulgarie, il existe 12 monastères en plein fonctionnement qui attirent de nombreux visiteurs. Les fresques des églises sont peintes avec beaucoup d'amour et de maîtrise, dignes de la fameuse école de peinture de Veliko Tirnovo qui fut fondée et s'y épanouit à cette époque. Arbanassi existait déjà à l'époque du deuxième royaume de Bulgarie. La plus ancienne de ces 7 églises est celle de la naissance du Christ. Construite sur les ruines d'un temple encore plus ancien, elle fut proclamée monument de la culture en 1927 et aujourd'hui elle fait office de musée. Les peintures murales y sont extrêmement impressionnantes. Tous les murs sont couverts de peintures, des scènes de l'Ancien Testament et de l'Évangile, des portraits de donateurs, des ornements végétaux. Impossible de ne pas y ressentir la grandeur de l'esprit bulgare et de sa culture millénaire. Des siècles durant, le monastère de Rila est parmi les plus importants centres spirituels et culturels de la péninsule balkanique. Fondé au début du Xe siècle par l'ermite Ivan Rilski, canonisé plus tard, c'est le plus grand monastère de Bulgarie ouvert aujourd'hui aussi. Il se trouve à 1400 mètres d'altitude, blotti dans les replis du grand massif du Rila. Le monastère de Rila est depuis sa fondation un centre littéraire et d'instruction. Plusieurs fois incendié à l'époque des luttes de libération nationale en Bulgarie, il fut à chaque fois reconstruit grâce à des dons bénévoles de tout le peuple bulgare. Son aménagement artistique est l'œuvre des meilleurs maîtres, bâtisseurs et artistes peintres. Le monastère de Rila fut classé monument de la culture mondiale en 1983 et est inclus dans la liste du patrimoine naturel et culturel de l'UNESCO. À 20 km au sud de la ville de Roussé, sur le Danube, se trouvent des églises rupestres, des chapelles et des cellules qui sont classées monuments de la culture sous l'égide de l'UNESCO. Par leurs fresques bien conservées, les églises rupestres d'Ivanovo témoignent du beau style de la peinture orthodoxe au XIVe siècle. L'église principale, celle de la Sainte Vierge, fut peinte sous la protection et avec des dons des tsars bulgares. La peinture a conservé l'esprit et le mysticisme propre à l'art chrétien oriental de la vie de Jésus-Christ et de son prédécesseur, Jean-Baptiste le précurseur. Les fresques qui nous sont parvenues se distinguent par une forte expressivité et un style dramatique de représentation des souffrances du Christ. Tous les personnages des scènes à plusieurs figures ne sont pas figés, mais en mouvement, et leurs gestes marquent et soulignent l'atmosphère tendue du drame imminent. Au cours de ce 14e siècle bien lointain, des moines adeptes du hésychasme et des ascètes y ont vécu. De nombreux croyants venaient s'y recueillir, alors que rois et boyards y envoyaient des tailleurs de pierre y creuser dans les rochers de nouvelles églises et des artistes peintres y peindre les images des saints.
Le cavalier de Madara est le seul haut-relief rupestre d'Europe du Haut Moyen Âge. Autour du relief, des inscriptions taillées dans la roche se rapportent à différentes époques. C'est là que l'on trouve pour la première fois dans une source bulgare le mot « bulgare ». Bojenci est un des villages de Bulgarie conservés intacts depuis l'époque de la Renaissance bulgare. Les premiers témoignages écrits relatifs à ce village datent de 1750, quand tel ménage qui s'y était implanté y faisait venir aussi tout le reste de la famille. Les maisons qui y furent construites formèrent des hameaux dans le Balkan et chacun d'eux portait le nom de son premier habitant. C'est ainsi que Bojenci fit son apparition. La maison de Doncho, dit le curé, riche commerçant de Bojenci, est parmi les monuments les plus en vue de l'architecture de ce village pittoresque. La Saint-Jean est une fête qui marque le solstice d'été. Selon la légende populaire, ce jour-là, le 24 juin, le soleil commence à mourir lentement et l'année à pencher vers l'hiver. La tradition explique que celui qui, le matin de bonne heure, voit le soleil se lever après avoir pris un bain d'eau vive, se portera bien pendant toute la nuit. La nuit qui précède la fête, les herbes et les plantes médicinales acquièrent leur plus grande force curative, qui disparaît après la levée du soleil. Ce jour-là, les gens observent leur ombre. Si elle s'avère être sans tête ou de moitié, cela annonce une maladie. Nombreux sont ceux qui respectent cette fête et qui croient en la force curative de la rosée à l'aube. La danse sur la braise ardente est une coutume intéressante dans laquelle le jeu avec le feu est le principal élément rituel. Elle a lieu le jour des saints Constantin et Hélène et, plus rarement, au cours d'autres fêtes religieuses. Seuls des élus y prennent part, car les danseurs sur la braise sont considérés comme des élus du saint, patron de la fête. Les danseurs sont des femmes et des hommes de la même famille et leur art est transmis de génération à génération. Aménagé en plein air, le musée architectural et ethnographique Etara est le plus grand musée ethnographique dans les Balkans. Il conserve la culture authentique de la Renaissance, non seulement de la Bulgarie, mais aussi de toute la péninsule balkanique. Ayant réuni au même endroit la pratique de différentes activités, Etara est en fait le reflet de toutes les couches de la population, avec son gagne-pain et ses rapports sociaux et culturels de la fin du 18e et du début du 19e siècle. L'idée de transformer les échantillons de musées en authentiques ateliers y attire des artistes peintres et des maîtres artisans. Le visiteur, lui, peut assister et voir sur place comment tel ou tel objet est confectionné et repartir avec un cadeau fait spécialement pour lui. Dans le mode de vie bulgare, ce sont les métiers d'art familiaux qui ont les racines les plus profondes. La couture, le tricot, le tissage et le travail des peaux et fourrures pour les femmes et pour les hommes, la poterie, la coutellerie, la confection de divers objets à usage ménager ou instruments de musique typiquement bulgares, comme par exemple le kaval, qui est une sorte de flûte en bois.
Le musée possède aussi l'unique collection de Bulgarie d'équipements hydrauliques. Certains d'entre eux ont été construits à cet endroit précis déjà à la fin du XVIIIe siècle, comme par exemple le vieux moulin appelé Karadjeika ou la filature hydraulique. Toute la beauté du musée ethnographique Itara s'offrira à vous si vous y venez lors des fêtes du calendrier populaire, le dimanche des Rameaux et la Saint-Jean. Vous y apprendrez un tas de choses sur l'effet curatif des fleurs et des plantes médicinales qui poussent chez nous. Vous pourrez discuter avec des guérisseurs de renom qui connaissent leurs secrets éternels et vous emporterez avec vous une partie de leur magie. Magoura est une des plus grandes grottes bulgares. Sa longueur totale est d'environ 3000 mètres avec ses embranchements, dont 1400 mètres sont aménagés pour recevoir la visite de touristes. Elle se trouve au pied de la colline de Rabisha, à 17 km de la ville de Belogradchik. Ce qu'il y a de plus précieux dans cette grotte, ce sont les dessins rupestres, qui sont environ 700 en nombre. La scène de chasse et la danse mythique dessinée par les peintres primitifs se trouvent dans la salle appelée la galerie d'art. Ce sont les seuls ouvrages de l'art primitif conservés jusqu'à nos jours dans les grottes de la péninsule balkanique. Ils se rapportent à l'âge du bronze et remontent à plus de 3000 ans. Chacune des grandes salles de la grotte représente une sorte de musée. Dans la salle de triomphe, on peut voir des ossements d'animaux, des cavernes et des objets liés au mode de vie des tribus qui ont peuplé cette partie de la péninsule balkanique. À noter aussi la valeur particulière du calendrier solaire. Le tombeau Thrace, près de la ville de Kazanlak, fut construit et décoré à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ et il a appartenu à un souverain du pays. Deux frises figurées, qui décorent la pièce centrale, représentent un festin royal et une course de chars. Les peintures murales sont exécutées dans le meilleur style de la peinture hellénistique. Le roi prend d'un geste élégant la main de son épouse, levant de l'autre main un verre en argent. Des esclaves, hommes et femmes, servent d'autres plats, du vin et des offrandes. La procession se termine par le char du souverain qui doit l'accompagner dans sa tombe. Le tombeau de Kazanlak représente un vrai chef-d'œuvre de l'architecture et de la peinture thrace. Il est aussi le plus ancien d'Europe et le seul dont les peintures murales sont conservées. Plovdiv est la capitale culturelle de la Bulgarie. Un des centres les plus anciens de la civilisation européenne, plus ancien que Rome et Athènes, et ayant le même âge que Troie et Mycène. Son théâtre antique du début du IIe siècle, sous le règne de l'empereur Trajan, est un des mieux conservés dans le monde. Avec aujourd'hui ses 5000 places assises, il est parfaitement adapté à la vie culturelle moderne de la ville. Dans le vieux Plovdiv, les monuments architecturaux de l'époque de la Renaissance bulgare sont les plus nombreux. On peut y voir les demeures de familles dont les activités économiques et culturelles allaient loin au-delà des frontières de l'Empire ottoman. Chaque maison est transformée en musée et certaines d'entre elles continuent d'être habitées par les descendants de glorieux ancêtres. Parmi les maisons les plus connues, il convient de citer celle de Lamartine, des Indlianov, des Balabanov, des Netkovitch, la maison-musée du grand artiste-peintre bulgare Zlatiu Boyadjiev. Les maisons ont un plan asymétrique, une terrasse à ciel ouvert et des fresques aux couleurs vives dans les niches décoratives appelées à la franga, c'est-à-dire à la française. Les plafonds des maisons présentent une grande diversité de solutions plastiques. Plovdiv, qui est la deuxième ville de Bulgarie, accueille tout au long de l'année
plus de 20 festivals internationaux d'opéra, de théâtre, de jazz et ethno, du film, de télévision, de musique de chambre, de la photographie, ainsi que des expositions de peinture. Le Vieux Plovdiv est un centre culturel unique en son genre, avec sa multitude de sites archéologiques, de musées et de galeries d'art, d'édifices anciens, d'églises, de cafés et de restaurants typiques, d'écoles et de charmantes petites ruelles recouvertes de dalles. En 1979, Plovdiv s'est vu décerner la médaille d'or européenne de la sauvegarde des monuments du passé. Ville très ancienne, Nessebar est située sur une petite presqu'île dans la mer Noire, reliée au continent par un isthme étroit. Les premières traces de vie humaine remontent à l'âge du bronze. La ville est d'origine thrace du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, quand elle s'appelait Messembria. L'époque de la domination romaine, puis byzantine, n'a pas fait diminuer l'importance de la ville. Le panorama de Nessebar change sensiblement après l'adoption du christianisme comme religion officielle au IVe siècle. La ville tombe sous la domination ottomane en 1453. Le commerce et la pêche demeurent les principaux métiers. C'est l'époque à laquelle apparaît une nouvelle richesse architecturale qui fait aujourd'hui la gloire de Nessebar, les admirables maisons à deux étages. Nombre d'entre elles ont été restaurées et classées monuments de la culture. Idem pour l'ancien mur d'enceinte et pour la grande porte d'entrée de la forteresse, la plus ancienne. Nessebar est proclamée ville-musée. Melnik est la plus ancienne ville-musée de Bulgarie. L'église Saint-Antoine fut construite au XVIIe siècle. Selon la légende, elle fut créée spécialement pour la guérison de malades mentaux. Les gens croyaient que si la veille de la fête de l'église, la Saint-Antoine, on passait la nuit dans l'église, la maladie disparaissait. Ses origines viennent des Thraces. Après eux, les Romains, puis les Slaves, en ont fait un grand centre religieux, culturel et administratif. Vers la fin du VIe siècle, les Slaves lui ont donné le nom de Melnik. Les vestiges de la grandeur d'autrefois suffisent pour ressentir l'atmosphère d'époque révolue. Le goût subtil du bulgare apparaît dans les vieilles maisons, dont l'architecture harmonise avec la nature, dans les dimensions et la richesse des caves vinicoles, dans le sens du beau et du pratique. La maison des Kordopoulos est la plus connue. Avec son architecture et sa grandeur unique, elle ressemble à un grand oiseau blanc perché sur les éboulis de Melnik. C'est la plus grande maison du Moyen-Âge en Bulgarie. Elle fut construite en 1754 par la riche famille grecque des Kordopoulos. Son emplacement, les caves qui y furent creusées, la disposition de rez-de-chaussée et du premier étage indique que cette maison fut construite et destinée spécialement à la production et au commerce du fameux vin de Melnik. L'histoire plusieurs fois séculaire de la Bulgarie,
le talent inné des Bulgares, la beauté et la diversité de la nature font de ce petit coin du paradis une destination unique.